C'est la reprise, le championnat est de retour pour notre plus grand plaisir et après une longue, longue trêve estivale. On attendait tous ce jour depuis que le calendrier de la saison est sorti. Tous les compteurs sont remis à zéro et tous les espoirs sont permis. À entendre les supporters qui animent les tribunes depuis plusieurs heures maintenant, les ambitions sont immenses. Espérons que les joueurs sont aussi prêts que leurs fans. Bon, pas besoin de vous présenter ce stade, le théâtre des rêves dans toute sa splendeur. C'est le moment de l'hymne national uruguayen. Écoutons maintenant le deuxième hymne. Qui dit nouvelle saison dit nouveaux espoirs. Et ça, c'est pour les deux équipes. Oui, et on sent que les deux camps avaient hâte que le championnat reprenne. C'est bien beau les matchs amicaux, mais rien ne vaut la compétition, n'est-ce pas? C'est là qu'on voit si des réglages effectués pendant l'intersaison seront payants ou pas. Le match commence. La Hongrie qui peut avancer. Allez. Bien, la profondeur. Il est bien placé. C'est bien fait, ça. Le gardien loin devant. La Hongrie qui réussit un véritable sans faute, que des victoires à mi-parcours de la phase aller. Et il ne faut pas sous-estimer ce qu'est en train de faire cette équipe. C'est vraiment très très fort. L'Uruguay qui essaye de construire. Voilà, un coup franc intéressant. Dernier avertissement oral de l'arbitre, la prochaine fois le carton va sortir. Il avait déjà été averti oralement, mais là, l'arbitre semble lui dire que c'est la dernière fois. Attention, là. Un long ballon vers l'avant. Salaï, voilà une bonne occasion de contre. Douchak. Et il cède sous la pression. C'était intéressant, cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Il centre, attention! Ça manque un peu de précision. Mais le ballon a franchi la ligne. Il peut centrer. Et la tête! Le timing était bon, le placement était bon, tout était bon, sauf le dernier geste. Regardez, il attaque bien le ballon là, c'était une bonne action quand même. Un long ballon. Bonne interception, il y avait danger. Salaï. Douchak. Dans la profondeur. La passe est précise. Il tire. Une frappe qui ne donne rien et pourtant, quelle occasion. Oh, franchement, c'était pas le plus dur à mettre celui-là. Il en a marqué des beaucoup plus difficiles. Quel mauvais choix.
Dommage qu'il n'ait pas levé la tête. Il aurait sans doute pu trouver un coéquipier démarqué. Ça n'a pas pu aller plus loin. C'est osé. Tant qu'on le garde dans au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Il écarte, ça joue long. Salaï ! Il ne résiste pas au contact. Mauvaise intervention, faute là-dessus. C'est une vraie occasion, il peut décider de tenter sa chance. Il tente sa chance! Il s'est attaqué, ça on savait, mais il sait aussi défendre. Les équipes ont de plus en plus tendance à défendre haut aujourd'hui, ça devient un peu la norme. Il allonge vers l'avant. Ouais, c'était bien dans l'idée, mais personne pour la reprendre. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. Ça joue long. Salaï, ça peut faire mal. Et le gardien est présent. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. Il décide d'allonger le jeu. Quelle occasion, attention! Tacle parfait, l'arbitre laisse jouer. En la profondeur, bien vu. Quel bon ballon, mais ça ne trouve pas preneur. Ah, il manque de bol là. Mais il faut qu'il soit plus tranchant. Bon jaillissement, il fallait intervenir. En retrait pour repartir proprement. Une très longue passe. Bonne intervention. On approche de la mi-temps, mais aucune des deux équipes n'a encore converti ses occasions. Il écarte sur l'aile. C'est parfait, magnifique. Ça va atterrir dans l'axe. Passe interceptée. L'ouverture lumineuse. Le bon ballon. Le ballon piqué sur le côté. Et le centre. Il est là pour dégager. Jusqu'au bout. L'assistant lève son drapeau. Le long dégagement du gardien. Il joue en retrait. Il cherche la profondeur. Il frappe. Oh, quel arrêt! Ah, ça c'est magnifique. Chapeau. Quelle détente! Oh, quel coup de tête, mais ce n'est pas cadré! Il prend quelques centimètres sur son adversaire direct et ça lui permet d'avoir une bonne occasion. Il préfère repasser derrière. Et c'est la pause ici. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. La première période est donc terminée. Qu'en avez-vous pensé? Eh bien, Grégoire, je pense que c'est pas mal comme match jusqu'ici. Les deux équipes se sont créées beaucoup d'occasions, ça joue bien. Il ne manque plus que les buts. Aucun but marqué, donc on en reste à 0-0. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Pas de surprise, pendant la pause, le tableau d'affichage indique toujours 0-0. Ah, ça aurait pu donner quelque chose, mais ça n'ira pas au bout. Il y avait de l'idée là, mais le geste n'a pas suivi. Il joue sur sa gauche.
C'est joué long. Et il jaillit pour prendre ce ballon. L'ouverture sur le côté. Oh, c'était engagé, mais pas de faute. Long ballon. Il n'a pas hésité à tacler. Faut frapper là. Poteau. C'est moi ou ça manque un tantinet de but dans ce match? Bonne lecture de la trajectoire. Et 15 minutes dans la seconde période. Plus le temps passe, plus l'ouverture du score pourrait être décisive. Un grand dégagement le plus loin possible. Un peu d'oxygène, mais ça va revenir. Il se fait pardonner. Il allonge le jeu. Il était vraiment prêt pour cette attaque. Oh, bon tacle. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. C'est joué dans l'espace. L'interception au bon moment. Salaï. La bonne interception. Les premières journées ne sont pas toujours spectaculaires et celle-ci semble respecter la tradition. Ce sera une touche. C'est l'occasion de procéder à un changement. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Doutchak. Il y a peut-être un coup à jouer. Et le bon dégagement. Doutchak. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Peut-être l'occasion pour Salaï. Oh, la frappe! Très belle ouverture. Il allonge, pourquoi pas. Quel timing dans l'interception. Ce contre peut très bien aller au bout. Le ballon dans la profondeur. Ah, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas. Et ils essaient de repartir de derrière. Ce sera une remise en jeu. La Hongrie qui utilise les forces de son effectif. Et c'est par surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va leur faire du bien. Doutchak. Il ne laisse rien passer. Encore une interception. Le bon dribble. La passe. Oui, il peut frapper là. Oh oui. Oh, il pourrait être décisif ce but. Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au bout, il y a but.
L'Uruguay qui effectue un changement. Il était fini, crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. Le jeu reprend. Ça fait 1-0. Ça ne devrait même pas me surprendre de le voir marquer. C'est un véritable métronome. Ça joue long vers l'avant. Ça peut partir en contre. La longue passe. Oh, le bon ballon! Allez, c'est dangereux! Il va falloir qu'il se réveille. Il n'a qu'un petit but d'avance quand même. Non, ça ne passe pas aujourd'hui. Le gardien dégage, loin. Il tente de la jouer dans l'espace. Il est tombé dans la surface de réparation. L'arbitre siffle un pénalty. Ce pénalty, c'est peut-être la fin de leurs espérances dans les dernières minutes. Il y a vraiment eu une mauvaise communication entre les défenseurs, là. Il ne faut pas se mettre dans de telles situations. Ça vous met en difficulté. Oh, le calme, c'est impressionnant. Magnifique contre-pied, c'est parfait. Ouais, ils ont certainement assuré la victoire avec ce but. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est fini pour cette rencontre. Ils ont perdu aujourd'hui, ce n'est pas encore très grave, mais il est clair que les joueurs doivent parfaire leurs automatismes, vite. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre. C'est dur de commencer la saison comme ça, mais il y avait peut-être quelques signes avant-coureurs. C'est la fin de cet après-midi football, on s'est régalé tous ensemble et merci à vous, Darren, d'avoir été avec nous. Oh, vous savez, j'y prends toujours autant de plaisir. Thank you.